le monde, aujourd'hui on est samedi, je vous reprends vite fait là, j'ai 5 minutes donc je vous reprends vite fait. Donc je commence un nouveau vlog, on est le 3 avril, voilà. Ces dates c'est toujours une catastrophe. Donc on est le 3 avril, j'ai posté hier soir voilà, le reste de la semaine. Et là du coup j'entame pour vous juste vous montrer mes lectures et celles que je vais attaquer et celles que j'ai finies. J'ai fini hier soir Nos étoiles contraires. J'ai beaucoup aimé sur la fin, voilà. J'avoue que par moments c'était un peu long. Ça me gonflait parce que ça parle d'un livre dans le livre. Et ça va 5 minutes, mais c'est vrai que par moments ça me... J'en avais marre d'entendre parler de ce livre, mais voilà. Sinon, les dernières pages, c'est vraiment très émouvant, très touchant. Et ça m'a fait remonter évidemment plein de souvenirs, de voilà. Donc pas les meilleurs souvenirs de ma vie, hein, bien sûr. Donc du coup, voilà, du coup la fin m'a touchée. Voilà, ça m'a beaucoup plus touchée. Et donc sinon, je vais vous montrer les lectures que je suis. Donc j'ai hier soir, du coup après avoir fini ce livre-là, je voulais pas me coucher là-dessus et je voulais me coucher sur autre chose. Donc j'ai lu une vingtaine de pages. Des lettres de mon moulin, donc j'ai avancé tout doucement, hein. Là c'était la chèvre de Monsieur Seguin, donc du coup moi j'ai bien aimé, et puis j'aime bien le style de l'écriture, voilà, la façon dont c'est écrit, c'est très joli, c'est vraiment une très très belle plume, j'aime beaucoup. Et du coup j'ai attaqué là tout à l'heure cet après-midi, vraiment attaqué, hein. J'ai lu, voilà, j'ai lu 20 pages, même pas, parce que du coup ça attaque à la page je ne sais pas combien. Voilà, ça attaque à la page 9, donc voilà. En gros, j'ai lu une dizaine de pages. J'ai attaqué À Gravel ou L'Envers du Temps de Maxime Herbeau aux éditions Inceptio. Il a dégusté, hein. Je ne sais pas si vous l'allez voir, voilà. Ma fille a eu la gentillesse, le temps que j'aille étendre le linge, je l'ai posé. Et elle l'a jeté par terre dans du mouillé, donc du coup, c'est sale un peu. Donc je ne sais pas si j'arrive à le frotter, enfin je ne veux pas l'abîmer plus que ce qu'il est. Donc bon, il est un peu terreux, un peu mouillé. Donc À Gravel d'Inceptio, j'ai vraiment 20 pages, donc je peux pas vous en dire grand chose. Pour l'instant on est avec des personnes âgées et puis voilà, hein, on n'en sait vraiment pas. On n'en sait pas plus, mais j'ai du mal à rentrer dedans, j'avoue. J'arrive pas à rentrer dedans. C'est pas écrit très gros. Donc du coup je vais essayer de me trouver un livre où c'est écrit un peu plus gros. Je me dis peut-être que je vais attaquer Entre Chien et Loup, ça a l'air d'être écrit un peu plus gros, mais guère plus. Si c'est écrit quand même plus gros. Donc voilà, oui, je vous allais dire, je compare les écritures, mais c'est vrai que là, je sais pas. J'arrive pas à rentrer dans la Gravel. Pour ça, il me disait vraiment bien, mais je sais pas, j'arrive pas à rentrer dedans. Et puis l'écriture me fait forcer vraiment beaucoup. Donc je vais voir si je trouve que c'est... Mais c'est guère écrit. Faut que j'arrive à trouver un livre où c'est écrit assez gros, parce que voilà, j'ai besoin de ça pour mes petits yeux. Donc il est vrai que Les Lettres de mon moulin, c'est écrit assez gros, mais je sais pas, j'ai pas envie de le lire en journée. C'est un livre qui va être réservé sûrement le soir. Voilà, donc je vais voir si j'attaque Entre Chien et Loup. Ou alors ben, je vais prendre tous mes livres et regarder la plus grosse écriture que j'ai. Je sais pas, je sais que c'est stupide, mais là ça me fait vraiment forcer et je pense que je suis un peu trop fatiguée. Cette nuit j'ai pas forcément bien dormi, donc ça aide pas. Et ouais, La Gravel en plus, ben, j'ai lu une dizaine de pages, donc rentrer dans le livre en 10 pages c'est compliqué, mais c'est vrai que là j'arrive pas du tout. Donc je vais peut-être essayer Entre Chien et Loup là d'attaquer une dizaine de pages aussi, et puis je verrai lequel me donne le plus envie, mais voilà, j'arrive pas à rentrer dans le livre et ça m'énerve. Mais le problème, à chaque fois que je finis un livre, eh ben, y a toujours ce problème d'attaquer un livre et de devoir rentrer dans l'histoire. Et c'est toujours un moment, le moment le plus délicat, je trouve, pour moi, c'est de rentrer dans le livre. C'est vraiment un moment, une fois qu'on y est dedans, tout est bien, voilà, tout est bien calé, c'est nickel. Et donc du coup, je devrais aimer les livres longs, parce que du coup, voilà, mais je sais pas, j'aime pas trop les livres qui soient trop longs, parce que j'aime bien avoir l'histoire rapidement. Mais j'aime pas aussi le moment de changer d'histoire rapidement, mais j'aime pas aussi le moment où il faut rentrer dans le livre. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est toute une histoire, tout compliqué. J'ai besoin d'un temps pour rentrer dans le livre. Il y a des livres où ça rentre de suite, comme là, Nos étoiles contraires, je suis rentrée de suite dans le livre, donc c'était vraiment génial. Et là, à Gravel, j'y arrive pas. J'ai lu 10 pages, et en 10 pages, j'ai pas réussi à rentrer dedans, et ça m'énerve. Alors, est-ce que c'est parce que je sors de Nos étoiles contraires, où je suis rentrée dès les premières lignes, je suis rentrée dedans? Je sais pas, mais c'est vrai que ça m'énerve, donc je vais essayer Entre Chien et Loup.
ou je sais pas, je vais peut-être tester plusieurs livres jusqu'à ce que j'arrive à trouver le bon, mais il faut vraiment que j'arrive à trouver un livre où je rentre dedans de suite, parce que là j'ai pas la patience en fait, j'ai pas la patience. Donc je vous reprends plus tard, je sais pas si dimanche je vais arriver à trouver 5 minutes ou pas, sinon je verrai, hein, lundi pareil, il y a tout le monde à la maison, mardi il n'y aura pas mon compagnon, donc déjà ce sera plus simple, parce que c'est vrai que j'évite de filmer quand il est là, parce que j'arrive pas, ça me gêne. Donc voilà, donc si j'arrive pas à vous reprendre avant, ça sera mardi, et comme ça vous verrez si j'ai réussi à trouver une lecture où j'arrive à me plonger dedans, parce que là ouais, je suis difficile et c'est en train de m'énerver. Parce que je suis sûre qu'il va me plaire à Gravel. Mais le problème, c'est qu'il faut un temps pour rentrer dans le livre. Et j'y arrive pas. Et ça m'énerve. Donc voilà. Donc j'ai pas envie de m'énerver après un livre. Donc je vais essayer un autre. Voir si j'arrive à rentrer plus vite dedans. Et je reprendrai à Gravel plus tard. Tout doucement. Donc voilà. Je vous laisse. Et je vous reprends. Ben, on verra quand. Coucou. Donc on se retrouve. On est dimanche. J'ai 5 minutes là. Parce que ben, on est dimanche matin. Il est 9h ou 9h30. Je sais même pas exactement. Mon compagnon est parti promener le chien, donc déjà il n'est pas dans mes pattes, donc il m'entend pas, donc ça va. Et puis les enfants ont voulu regarder un film Miraculous, voilà. Donc bon, j'aurais dit allez, exceptionnellement vous avez le droit à la télé le matin. Déjà d'habitude le matin ils n'ont pas le droit à la télé, et ils ont droit à une demi-heure chacun dans la semaine. Donc là bon, on a fait une exception, c'est pas que voilà. Du coup, niveau lecture, j'ai lu un peu Les Lettres de mon moulin d'Alphonse Daudet, j'ai avancé, je suis à 100 pages. J'aime plutôt pas mal, j'adore la façon dont c'est écrit, c'est vraiment très très beau comme c'est écrit, vraiment, je suis amoureuse de cette écriture, c'est vraiment magnifique. On parle d'Avignon en plus, donc c'est vers chez moi, donc je m'y vois. Voilà, ça se passe vers chez moi, donc forcément je m'y vois vraiment dedans. Et du coup c'est sous forme de petites voilà, de petits textes, et du coup ça va très vite, enfin je lis un texte et puis bon bah du coup j'enchaîne avec un autre. Bon, c'est vrai que je lirai pas tout le livre d'une traite, ça va vite me gonfler, malgré que c'est bien écrit, que c'est plutôt pas mal, mais lire un petit texte comme ça dans la journée de temps en temps, c'est plutôt, j'aime beaucoup. Voilà, donc déjà pour celui-là, donc j'ai un peu avancé, j'en suis à 100 pages et je pense essayer de lire voilà une 20-30 pages par jour, même si peut-être qu'un jour bah, voilà, je vais en lire le matin, après-midi, enfin peut-être que ça avançait plus vite que prévu, mais je vais essayer de lire une trentaine de pages par jour. Du coup, bon, hein, comme je vous ai dit, je sais plus. Je crois que je vous ai dit qu'à Gravel, ben, je n'ai pas avancé. Hein, voilà, je l'ai laissé de côté. Je le lirai à un moment qui sera plus propice pour lui, parce que c'est vrai que là, j'arrivais pas du tout à rentrer dedans. Je ne sais pas pourquoi, hein, parce que... Voilà, et du coup, ben, mon fils m'a dit, mais tu as lu le tome 2 du Labyrinthe? Voilà, ça lui a pété, comme ça il m'a dit ça. Et j'ai dit, bah non, bah tu as une bonne idée, parce que lire un tome 2, du coup, je suis plus facilement déjà dessus dans le livre. Donc du coup, j'ai pris La Terre Brûlée, le tome 2 du Labyrinthe. Du coup, c'est... Non, c'est L'Épreuve, le nom de la saga. Moi, j'appelle toujours ça Le Labyrinthe, mais c'est L'Épreuve. Donc c'est le tome 2, c'est James Dasher aux éditions Pocket Jeunesse. Et effectivement, je sais pas si c'est le fait d'avoir pris un tome 2 ou si c'est la façon dont écrit l'auteur, mais dès les premières lignes, dès les premières pages, j'étais dans le livre, j'étais contente de retrouver mes personnages. Et du coup, voilà, c'était beaucoup plus simple. J'ai lu 125 pages hier, j'ai commencé dans l'après-midi et j'ai lu 125 pages. Et je voulais pas le lâcher hier soir, mais la fatigue a fait que je l'ai lâché. Mais ouais, j'aime toujours autant. Le tome 1, c'était, je sais plus, je peux dire que c'est un coup de cœur parce que j'ai vraiment énormément aimé. Et là, on retombe pareil, j'adore vraiment beaucoup. Et voilà, je vais essayer de lire une centaine de pages par jour au moins. Bon, aujourd'hui, lundi, ça devrait aller parce qu'ils sont un peu occupés avec le papa, ils jouent un peu au foot ou des trucs comme ça, je peux arriver à trouver un moment. Mardi, ça va être plus dur parce qu'il faut que je fasse l'école à la maison. Mais ouais, j'ai envie de l'enchaîner, de le dégommer d'une traite parce que j'aime énormément, énormément. C'est vraiment génial, il y a de l'action, on s'ennuie pas une seconde dedans. Enfin, c'est super bien. J'ai pas encore toutes les réponses à mes questions, mais on a quand même évolué et on en sait un peu plus sur ce qui se passe. Voilà, donc vraiment très très bonne lecture et je suis contente que... Merci à mon fils qui m'a choisi ce livre parce que vraiment, c'est ce qu'il me fallait. Voilà. Donc voilà pour les lectures où j'en suis. Hier, j'ai fait une folie. J'ai fait une bêtise, j'avoue. Je sais pas ce qui m'a pété, mais j'ai craqué. J'ai fait une précommande, ça devrait arriver le 15, enfin les précommandes avec ma librairie en fait, je sais pas quand c'est que ça va arriver, hein, parce que la passeuse de mots, on est le 3, on est le 4, et le livre de la passeuse de mots sortait le 31, et il est toujours pas là, donc les précommandes en fait, voilà, ils vont pas arriver de suite, donc j'ai
précommandé Guenièvre, je sais plus le titre exact, chez De Saxus. Voilà, j'ai craqué. J'avoue, j'ai craqué. J'ai dit que les De Saxus, j'évitais. Je voulais quand même avoir des avis avant, mais là, je voulais le hardback. Et du coup, j'ai craqué, je l'ai précommandé. Donc, il est censé sortir le 15 avril, si je ne me trompe pas. Et donc, vu ma librairie, je risque de l'avoir le 20-21. Donc, d'ici là, j'aurai lu 5 livres. Voilà. Donc, c'est bon, hein, je peux l'acheter. Non, mais voilà. Je sais que j'avais dit 5 livres avant de craquer, mais là, je sais pas. Je sais pas ce qui m'a pété hier. J'ai craqué. Donc du coup voilà, du coup ça me fait plus parce que du coup j'ai craqué aussi sur Férocité, la campagne Férocité de Projet Silex. J'ai craqué parce que je trouve que leur projet est vraiment très important, de payer les auteurs comme ça, je trouve ça très... Enfin le respect des auteurs vraiment, et ça j'admire, voilà, donc du coup ça va faire 2 livres qui vont arriver. Mais mon Projet Silex ça va arriver en juillet si tout va bien, donc d'ici là voilà, j'aurai le temps de lire plein de livres. Mais c'est vrai que voilà, Guenièvre, je sais pas ce qui m'a pété, je sais pas du tout, d'un coup ça m'a pété, je me suis dit bon, j'ai envie de l'avoir. Donc voilà, j'espère mardi avoir un message de ma librairie me disant que la passeuse de mots est arrivée, parce que honnêtement, je pense que c'est ça qui a fait que j'arrivais pas à rentrer dans la gravelle, ou que je cherchais mes lectures, parce que vraiment je me suis dit, mon compagnon descend samedi à la librairie, il a récupéré le tome 33, mais, édition limitée... de l'attaque des titans. Je voulais le montrer mais mon fils l'a pris de suite, il est parti, ben voilà, j'ai même pas pu le voir, donc du coup voilà, donc je pourrais pas vous le montrer, je vais essayer quand même de le récupérer pour vous le montrer, mais je sais pas si je vais arriver à le récupérer. Enfin bon voilà, et celui-là je crois qu'il sortait le 7 avril ou... enfin il sortait pas, normalement il sortait pas de suite, donc je me suis dit ils se sont trompés, ils ont mis celui-là et en fait c'est la passeuse de mots, ils ont fait une bêtise, mais non, c'est l'édition limitée qu'il a eu. Et la passeuse de mots qui sort dans le 31, ben je l'ai pas. Donc je suis super dégoûtée. Et ouais, je pense que c'est ça qui a fait que j'arrivais pas à rentrer dans le livre. C'est que ben, je voulais absolument, voilà, je me suis dit samedi il va le chercher. Et samedi après-midi, ben, je vais me plonger dedans. Voilà, j'étais... Même si j'ai les enfants pendant presque un mois, je me suis dit je vais me plonger dans le livre. Et je l'ai pas le livre, donc je suis un peu déçue pour ça. Donc c'est pour ça que je pense que la Gravelle n'est pas passée et que la Terre Brûlée, le Labyrinthe tome 2 est passé, parce que je connais déjà les personnages, je connais un peu déjà l'univers et j'avais beaucoup aimé et c'est plus facile de rentrer dedans. Mais du coup voilà, c'est vrai que je suis vraiment dégoûtée de pas avoir le livre quoi. Je me suis dit je le précommande comme ça j'aurai de suite, ben je le précommande mais je l'ai pas. Donc je sais pas comment marchent les précommandes avec les librairies, parce que je sais que j'aurais fait ça à la FNAC, ben le livre je l'avais de suite. Donc d'un côté ça nous incite pas à commander sur les librairies du coup, parce que du coup on les a pas. Donc voilà, donc je suis un peu déçue pour ça, mais j'espère l'avoir assez rapidement. J'espère mardi parce que je descends en ville pour un de mes fils. Donc si c'est mardi, je pourrais le récupérer. Sinon, il faudra que j'attende encore un moment. Donc je suis un peu déçue. Voilà, je me suis dit précommande, comme ça je l'ai de suite. Et bien finalement, précommande, non, je l'ai pas. Donc voilà, donc je vais vous foutre la paix avec ce livre. Là, hein, je sais, ça me saoule de précommander, de pas avoir de suite, mais bon c'est comme ça. De toute façon avec tous les livres que j'ai, je vais pas me plaindre, hein. J'ai 300 livres dans ma pile à lire, donc je me plains de ne pas avoir un seul livre. Bon allez, on verra quand c'est que je vous prends et à plus tard. Parce que mercredi, je vais y arriver avec les jours. On est mercredi 7 avril, je vous ai pas pris hier mardi justement parce que l'école à la maison et psychométricien, et donc du coup pas du tout le temps. Voilà, ça m'a pris toute la journée. Mais hier soir, j'ai quand même réussi à me poser pour lire un peu. Donc j'ai réussi à lire. Bon, je vais continuer à lire un petit peu mon Juliette de mon moulin. Hein, j'ai avancé, j'en suis à 200 pages, je crois.
Ouais, 220 pages, donc il me reste une centaine de pages, donc je vais continuer à avancer tout doucement. Dans l'après-midi, voilà, j'ai réussi à en lire un petit peu parce que ma fille s'est calée sur moi, s'est endormie de nouveau. Voilà, c'est pas la première, elle aime bien faire ça, donc du coup j'étais coincée, donc j'ai attrapé mon livre. J'ai dit au garçon jouer tranquillement sans bruit et je continue un petit peu. J'avoue que là, ça commence à me... voilà, ça commence à me lasser. Il y a certaines qui m'intéressent, il y en a d'autres voilà, qui me lassent un peu. Donc je vais avancer tout doucement et j'espère le finir voilà, avant la fin de la semaine. Voilà pour celui-là. Et évidemment hier soir je me suis posée et j'ai pas pu lâcher jusqu'à la fin. J'ai fini Terre brûlée de James Dasher aux éditions Pocket Jeunesse, l'épreuve, le tome 2. Normalement je vous l'ai déjà dit mais je vous le redis au cas où. Je l'ai fini, voilà, il me restait un peu plus de 100 pages mais je pouvais pas le lâcher avant la fin. J'étais trop dedans, je voulais absolument savoir. Vers la fin je me suis dit c'est bon, ça va finir... on va en savoir plus et là on va finir les épreuves du 2 là. Et j'étais su... voilà, j'ai lu et j'ai fait ouais bon ok. Et je crois que c'est le dernier chapitre ou enfin les dernières pages. Je me suis dit non. Voilà. Du coup j'ai les dernières pages font que j'ai très envie de lire le tome 3 de suite. Voilà. C'est vraiment une super lecture. Voilà, les personnages sont tout à fait attachants. Et puis c'est action sur action sur action. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Juste petit bémol, il leur arrive des choses. Certains personnages sont blessés. Et ils ont un pouvoir de guérison très 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 rapide. Voilà. Honnêtement, ce qui leur arrive, tu te relèves pas de suite et tu fais pas ce qu'ils font après. Mais voilà, c'est juste un petit bémol là-dessus. Je trouve qu'ils guérissent miraculeusement. Mais sinon j'ai beaucoup aimé ma lecture et j'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 3. Voilà. Alors je pense qu'il va pas tarder. Hein. J'ai très 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 envie d'enchaîner. Mais j'aimerais bien quand même continuer à Gravel, que j'avais vraiment lu qu'une dizaine de pages. J'aimerais quand même essayer de continuer pour essayer de rentrer dedans. Parce que c'est dommage de l'arrêter comme ça et voilà, si je l'arrête comme ça va traîner pendant très longtemps. Donc j'ai pas envie, donc je vais essayer de relire quelques pages, voilà, et puis si je vois que ça j'accroche pas bien, ben quand j'aurai fini l'être dans mon moulin, ça sera mon livre compagnon, ça sera celui où je lirai une trentaine de pages par jour pour, voilà, pour essayer de rentrer dedans. Mais ouais, faut que j'essaye de continuer un peu parce que je suis sûre que je vais arriver à plus loin à aimer. Bon, je dois avouer que j'ai vu sur Livre Addict qu'il est noté à 14 ou un peu plus de 14. Donc quand j'ai vu ça, je fais aïe. Voilà, donc j'ai un peu peur. J'ai un peu peur, mais en même temps, je me dis que je vois pas pourquoi ça le ferait pas. Donc je vais essayer de lire une cinquantaine de pages aujourd'hui pour voir voilà, si j'arrive à accrocher. Et puis continuer les lettres de mon moulin. Et dès que j'ai fini celui-là, je pense que ben, je vais vite prendre le tome 3 du Labyrinthe. Et comme ça, j'aurai à Gravel et le Labyrinthe en double. En lecture, voilà, multiple. En multiple lecture. Enfin bon, on a compris quoi. Et ma lecture du soir quand je suis dans le lit, dans le noir, en e-book, voilà. Bon là, je ne l'ai pas repris hier soir parce que je voulais absolument finir le labyrinthe. Donc hier soir, c'était un peu tard pour le prendre. Sinon, ma lecture du soir, c'est L'Éveilleur. Je ne sais pas si vous allez voir clair parce qu'en plus, c'est tout noir. C'est L'Éveilleur, le tome 1 de Jean-Luc Béziers aux éditions... Est-ce qu'ils écrivent les éditions en e-book ? Non, je vois pas les éditions, donc je saurais pas vous dire quelles sont les éditions à la base. Donc voilà, donc Naos, les éditions Naos. Voilà, c'est écrit en tout petit sur la couverture. Donc les éditions Naos, donc là j'en suis à 6%, donc j'ai vraiment pas lu beaucoup, mais pour l'instant j'aime plutôt bien. Voilà, ça commence bien. Mais voilà, le fait d'avoir lu de Labyrinthe à fond, du coup j'ai pas avancé du tout. Mais ça a l'air plutôt pas mal aussi. Donc voilà, j'ai que de bonnes lectures actuellement. Donc ça pour ça c'est nickel. Je vais essayer de monter cette vidéo comme je peux. Je sais pas du tout quand je sais que je vais la poster, quand c'est que je vais la finir. Je pense que je vous reprends demain. Le week-end on verra. Hein. Si mon compagnon part promener le chien, à ce moment-là je prendrai le temps de vous filmer. Mais je sais pas. Mais déjà, il faut que j'arrive à la monter un petit peu parce que du coup, là, j'ai pas du tout attaqué. Parce qu'avec l'école à la maison, ben, l'ordinateur, le seul ordinateur qu'on a, eh ben, il est monopolisé par mon fils aîné du collège. Il n'y a plus que lui là aujourd'hui. Les autres, ils sont en mercredi, donc ils n'ont pas école. Et celui, mon autre du collège, s'est avancé et avait déjà fait son travail du mercredi matin. Enfin bon.
Voilà, donc il m'en reste un qui m'automobilise l'ordinateur. Donc le montage pour l'instant ne va pas se faire tout de suite, voilà. Si j'arrive pas à le monter avant samedi dimanche, je ferai pas le montage samedi dimanche parce que c'est l'écran de la télé et que je supporte pas que mon compagnon me voie. Donc voilà, donc je sais pas du tout quand c'est que je vais attendre le monter, donc du coup je sais pas du tout quand c'est que je vais la poster cette vidéo. Donc voilà, de toute façon vous verrez bien, hein. Ouais, avec le portage, je sais qu'il y en a qui montent avec le portable, mais je sais pas du tout comment on fait, donc je vais rester dans la simplicité, hein, parce que déjà que la technologie et moi ça fait deux, donc je vais pas me compliquer plus la vie. Donc voilà au niveau des lectures, jeudi il y aura école à la maison, donc les lectures vont baisser, mais j'ai quand même, voilà, hier il y avait école à la maison et vous voyez j'ai réussi à lire quand même, donc je me dis, on arrive quand même à lire, c'est plutôt pas mal pour ça, mais c'est pas sûr que jeudi j'arrive à lire autant, parce que c'est vrai qu'hier soir je voulais absolument finir ce livre, donc même si j'étais fatiguée, je me suis battue contre la fatigue pour finir le livre. Est-ce que jeudi soir j'arriverai à faire autant? Faut vraiment que le livre me passionne pour que j'y arrive à faire ça. Mais c'est vrai que voilà, j'avais besoin quand même d'avoir mon moment à moi à lire. Donc voilà, donc c'est un besoin vraiment primordial pour moi d'avoir mon moment à moi. Et mon moment à moi c'est la lecture. Donc voilà. Donc jeudi je lirai quand même un petit peu, mais je pense moins. Et aujourd'hui, on va voir si j'ai le temps de lire. Là, on va essayer de ranger les chambres parce que forcément pendant qu'on fait l'école à la maison, le rangement se fait pas. Donc du coup c'est un petit peu bazar partout. Et puis ma petite de 3 ans en profite pour faire un peu des bêtises. Donc il y a du bazar vraiment partout. Voilà, je vois que dans ma chambre il y a même des habits. Enfin, donc faut vraiment qu'on fasse un rangement aujourd'hui. Et demain pour avoir une école, entre guillemets, une école rangée. Voilà. Donc pas plus, hein, de toute façon on fait rien d'extraordinaire. Je lis un peu et puis école à la maison et puis... Et puis promener pas trop parce que là en ce moment on a un vent glacial terrible, donc j'espère, normalement demain il fait un peu plus chaud, donc peut-être que demain on ira promener. Si c'est le cas j'essaierai de vous filmer, mais de toute façon on fait toujours le même tour, hein, vu qu'on ne peut pas trop s'éloigner. Donc c'est souvent le même tour, donc vous voyez souvent les mêmes images, mais voilà. Quand on pourra s'éloigner un peu plus on pourra peut-être montrer d'autres images d'extérieur, mais pour l'instant c'est toujours plus ou moins les mêmes choses. De toute façon je vous parle, mais j'ai rien à dire, donc je vous laisse là et on se retrouve plus tard. Coucou, donc on est jeudi 8 avril, je vous reprends vite fait pour vous dire où j'en suis dans mes lectures. J'ai avancé un petit peu, j'ai fini les lettres de mon moulin, voilà, ça y est c'est fini, on n'en parle plus. J'ai beaucoup aimé l'écriture, j'ai aimé quelques textes, mais c'est vrai qu'il y a certains qui m'ont un peu... Voilà, qui m'ont un peu gonflé, que j'ai trouvé un peu trop long, et puis il était temps que je finisse, voilà. Sinon, j'ai lu hier soir vite fait un chapitre de L'Éveilleur de Jean-Luc Bizier. Ça a l'air très très intéressant, mais c'est vrai que le fait de lire le soir quand je suis vraiment dans le lit et tout, du coup je lis pas beaucoup, mais sinon ça a l'air vraiment plutôt pas mal, mais e-book fait que je ne lis pas beaucoup. Voilà, parce que c'est vrai que j'aime pas spécialement les e-books. Mais bon, j'ai réussi à l'avoir gratuit avec Bookbox qui faisait une offre, il y avait... 3 livres que je pouvais avoir gratuits, donc j'ai pris 3 livres gratuits, donc je les lis, mais c'est vrai que e-book c'est pas trop mon truc. Sinon j'ai continué à Gravel et l'envers du temps de Maxime Herbeau. Ça y est, ça commence à démarrer, je commence à accrocher et c'est plutôt pas mal. Donc c'est, voilà, on suit un quinquagénaire, il a 80 ans, donc c'est ça, quinquagénaire, enfin je sais pas pourquoi j'essaie de dire des mots sans être sûre. Ben, on suit un monsieur à Gravel qui a 80 ans et du coup voilà, il commence à être vieux et il va faire la rencontre d'une certaine personne qui va lui donner une fleur, il va monter dans un train et puis voilà. Je vous en dis pas plus, voilà, ça commence à rentrer dedans. Hier soir il y avait sur Instagram il y avait un live avec l'auteur, donc du coup j'ai écouté un peu. Donc je pense qu'il est en replay sur Instagram, sur Inception, donc n'hésitez pas à aller voir, c'était vraiment très intéressant. Par contre, il disait que le quinquagénaire est aigri, mais moi je le trouve pas tant aigri que ça, enfin voilà, moi j'aime plutôt bien cette personne-là. Oui, il est pas sympathique, mais après, est-ce qu'il a des raisons d'être sympathique? Voilà, enfin moi j'aime beaucoup, je me suis attachée à lui, c'est plutôt intéressant. Et je suis à 85 pages, donc je vais continuer tout doucement, hein, mais c'est vrai que le rythme de lecture n'est pas très, très fluctuant. Et j'ai pris, si jamais voilà, j'ai le temps, Le Remède Mortel, l'épreuve tome 3 de James Dashler, hein, voilà, il est pas loin de moi, il est pas loin, mais je pense que je vais continuer à Gravel, même si j'ai très très envie de me plonger dans ce livre là,
Mais il faut que je continue à Gravel parce que sinon je vais le mettre de côté et pour lire celui-là, parce que celui-là je pense que je vais me le dévorer et me l'enchaîner, et le livre qui sera à côté, je ne vais plus y toucher. Donc il faut vraiment que j'avance à Gravel avant d'attaquer lui, parce que sinon ça va pas être possible. J'ai contacté du coup ma librairie aussi parce que je commençais à m'inquiéter, voilà, pour la passeuse de mots, je vous disais qu'il était sorti le 31, que j'ai précommandé et qu'il n'est toujours pas arrivé. Et du coup je me suis dit bon, je vais quand même leur envoyer un petit message, ça m'embête de les embêter, mais voilà, je... Donc du coup je leur ai envoyé un message et ils ont dit qu'ils avaient des retards de livraison, donc ça allait arriver mais dans la semaine, mais voilà, ils ont des retards de livraison. Donc ils ont des retards de livraison pour mon livre et l'attaque des titans tome 33, là il était pas en retard celui-là, mais bon, voilà. Quand on attend un livre vite absolument, c'est toujours... on a toujours envie que ça aille vite. Donc voilà, donc je les ai contactés, donc il va arriver dans la semaine, donc je verrai la semaine prochaine quand c'est que je peux aller le chercher, quand il sera là. De toute façon avec les lectures que j'ai, je peux largement attendre, et puis avec les enfants, je peux largement attendre aussi. Là il est, je sais pas quelle heure il est, 14h25, on vient de finir les devoirs de tout le monde, ça y est c'est fait, donc du coup on va laisser aérer un peu dehors malgré qu'il fasse un peu frais, mais aujourd'hui il y a moins de vent donc ça va un peu mieux. Mais on va aller un peu s'aérer, faire un peu de vélo ou quelque chose comme ça. Et puis après, il va falloir que je m'attaque un peu au ménage. Parce que c'est bien l'école à la maison, mais la maison, voilà, hein, elle bouge pas. J'ai quand même pris 5 minutes pour étendre mon linge, mais la vaisselle, elle déborde de tous les côtés. Et elle veut pas se faire toute seule. Je lui ai demandé, mais non, elle veut pas se laver toute seule. Bon, on va devoir quand même faire la vaisselle. Voilà, ça se fait pas tout seul. Donc on fait l'école à la maison, mais à côté, il faut quand même faire à manger. Il faut quand même étendre le linge, il faut quand même... Donc voilà, et il y en a qui font du télétravail en même temps. Il va falloir vous m'expliquer comment vous arrivez à faire tout ça, parce que franchement je suis contente de pas travailler, parce qu'honnêtement s'il fallait que je fasse télétravail à côté, ça serait pas possible quoi. Mes enfants ils ne mangeraient pas, et enfin voilà, je sais pas comment ils font les gens, mais ils ont pas le choix donc ils le font, mais honnêtement chapeau quoi. Chapeau d'arriver à faire l'école à la maison plus télétravail, vraiment chapeau, parce que ça demande quand même beaucoup de temps, et arriver à travailler à côté, je sais pas. Enfin, vraiment, je vous tire mon chapeau, félicitations, parce que moi, je n'y arriverai pas, personnellement, je n'y arriverai pas. Donc voilà, j'ai pas plus à vous dire, parce que du coup, j'ai pas plus, voilà, avancé. Je sais pas si... je vais essayer de vous prendre vendredi. Je sais pas si après, je vais clôturer le vlog ou pas, je verrai. Il est pas si gros que ça, je crois, le vlog. Donc je verrai, sinon, je vous reprendrai le lundi pour vous dire comment j'ai avancé durant le week-end. Voilà, parce qu'après il n'y aura plus école à la maison, ça sera les vacances, donc ça sera beaucoup plus soft et cool. Donc je vais voir où je vous reprends demain pour vous dire où je suis avancée et je fais le vlog et je le poste, ou je le finirai lundi, comme ça vous verrez ce que j'ai lu durant le week-end, c'est peut-être le mieux, ou je rattaque un lundi, au choix, voilà, je sais pas trop, je réfléchis encore, voilà, c'est toujours... je suis pas quelqu'un qui planifie tout, donc du coup c'est compliqué, hein. Voilà, je planifie rien et du coup, bah, c'est la surprise partie. Voilà, je suis comme ça, je suis... On y va au feeling, on fait ça comme ça et on voit comment ça fait. Mais des fois aller au feeling, c'est pas bon parce que c'est un peu compliqué à gérer après. Mais voilà, on fait comme ça. Donc, bah, à demain et puis on verra quand c'est que j'arrête le vlog. Mais demain, je vous reprends. Sûr. Coucou, donc on se retrouve, on est vendredi 9 avril. Oui, je suis en train de calculer, oui, on est le 9 avril. Je vous reprends vite fait, j'ai pas grand chose à vous dire, hein, parce que ce matin on a fait l'école, on a eu droit à, j'en étais sûre, hein, dans la semaine il nous a pas fait une grosse crise. Donc mon fils de 9 ans m'a fait sa grosse crise qui fait à chaque fois qu'on veut essayer de travailler. Voilà, donc on a eu droit à des hurlements, à des jetages de cahiers, à des feuilles en boule, à des je déchire, enfin voilà. Celui-là c'est toujours un grand moment avec lui dès qu'il faut faire quelque chose. Il avait été entre guillemets à peu près voilà, à peu près calme. Donc il fallait bien que ça pète. Donc c'était arrivé aujourd'hui. Ça a été un long moment. Donc après on a mangé, il s'est calmé, il a fait ses calculs, on a réussi, c'était fini, c'était bon. Ouh. Mais c'est vrai que ce matin c'était un calvaire. Mais bon, il fallait y passer, hein, c'était obligé qu'il nous fasse une crise. Celui-là, à chaque fois, il faut qu'il en fasse une. Bon, sinon, je reviens vers vous. Il est... Bon, il doit être presque 5h même. Il est presque 5h et j'ai avancé un petit peu quand même dans l'après-midi après qu'on ait fini tous les devoirs et tout. On est allé un peu dehors, moi j'en ai profité pour prendre mon livre. Et j'ai pu me caler pour lire, donc j'en suis à 254 pages.
J'ai avancé vite parce que déjà ce matin je me suis levée à 4h du matin. Enfin, mon compagnon me réveille à 4h moins le quart. Et du coup, je me suis levée avec lui, j'avais plus à dormir, donc j'ai lu un petit peu. Et puis cet après-midi, j'ai lu un petit peu aussi, donc du coup, j'ai pas mal avancé. On est toujours avec, à Gravel. Et puis, le côté retour dans le passé pour essayer de changer les choses, pour voir si ça serait mieux ou pas de changer des choses, me plaisait. Mais là, on est beaucoup dans le côté fantastique. Voilà, on a beaucoup de passages fantastiques dedans. Des histoires. En plus, j'arrive pas à suivre. Alors, je sais pas si ça fait que ce soit fatigué ou que ça m'intéresse pas. Mais il y a des fois où je comprends pas tout. Je comprends pas tout en fait. J'ai vraiment l'impression que je comprends pas tout le livre. Donc, d'un côté, ça m'embête parce que je me dis, il y a quand même quelque chose derrière, je suis sûre. Mais d'un autre côté, je m'ennuie en fait. Je m'ennuie, ça me gonfle. Donc, j'aimerais bien arriver à finir au plus vite parce que là, ça me gonfle en fait. Je m'ennuie. Donc, c'est pas du tout un livre pour moi. Ou c'était pas le moment de le lire parce que voilà, peut-être que avec la fatigue il y a des choses que j'ai pas compris je pense. Ou mon cerveau ne veut pas comprendre ce qu'il y a dedans. Mais voilà, du coup j'ai très hâte de finir. J'espère que je vais arriver à le finir ce soir, mais il me reste quand même 5, 6, 7, ouais, un peu plus de 70 pages à lire. C'est faisable, hein, ça dépendra de mes monstres, comment ils se comportent. Je vais essayer de me caler pour lire un petit peu. Voilà, essayer de le finir ce soir parce que là, ouais, c'était pas un livre pour moi. Ça arrive, hein, tous les livres ne peuvent pas me plaire. Et celui-là, voilà, c'était plutôt intéressant comme ça partait. Et puis ça a dérivé avec des choses fantastiques, avec des choses que mon cerveau n'arrive pas à suivre. Et du coup, voilà. Donc du coup, pas bon. Et de toute façon, dès que j'ai fini... oui, c'est celui-là, je suis en train de calculer. Ah, j'arrive pas à l'attraper. Dès que j'ai fini ça, ben, je me replonge dans l'épreuve, le tome 3, parce que j'ai très très envie de... D'abord le fin de mot de l'histoire, initialement c'était en 3 tomes, je crois qu'actuellement il y a 3 nouveaux hors-série qui s'en sont faits, et je crois qu'il y a un 4e hors-série qui doit sortir dans pas longtemps, enfin je sais pas exactement, je suis pas sûre que je vais lire les hors-série, mais au moins si je lis le tome 3 je peux dire que j'aurai fini la saga principale. Après je verrai si j'ai envie de replonger dans cet univers là, peut-être que je lirai d'autres livres, mais là au moins je me dis avec le tome 3 je finis la saga et ça fera au moins une saga de fini. Voilà, mais en plus j'ai très très envie de m'y plonger dedans. Et puis j'aimerais le finir avant le 13 parce que le 13 je commence une lecture commune sur Keleana, le tome 1. Donc comme ça si je finis celui-là avant le 13, je peux attaquer tranquille avec Keleana. Et je me trouverai une lecture à côté. Voilà, je sais pas encore ce que je me mettrai à côté, mais au moins le 13 je n'aurai pas de lecture entamée ou pas un livre, parce que celui-là, si j'ai encore celui-là entamé avec Keleana, honnêtement je l'attaquerai pas, enfin j'arriverai pas à l'attaquer parce que celui-là je veux le dévorer. Voilà, c'est une fois que je l'ai en main je veux rien lire d'autre, je veux lire que l'épreuve. Donc voilà, donc faut vraiment que je l'ai fini avant parce que sinon Keleana, ben, je vais prendre du retard dans la lycée. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais voir, de toute façon je vais pas pouvoir le monter avant, avant lundi, donc je pense que si j'y pense, voilà, je pense que si j'y pense, wow. Je vous prendrai lundi, dès que j'ai 5 minutes, pour vous filmer, pour vous dire si j'ai réussi à finir à Gravel, parce que là c'est vrai que c'est de plus en plus dur, mais je veux vraiment speeder pour le finir. Je suis très déçue voilà, de ne pas avoir apprécié, mais bon ça arrive, hein, je peux pas aimer tous les livres. Et je pensais vous filmer une vidéo, mais sur tous les livres que j'ai et que je voudrais donner, mais je me suis renseignée sur les frais de port et en fait ça va me revenir trop cher si je vous propose des livres comme ça. Donc du coup voilà, je vais les mettre dans des boîtes à livres parce que sinon niveau frais de port, voilà, je peux pas me permettre de mettre des 5,5 dans les frais de port. Et avec tous les livres, si jamais tout le monde me dit que ça intéresse, j'ai regardé les frais de port et c'est c'est faramineux quoi. C'est vraiment très très cher je trouve, donc du coup je vais pas pouvoir. Donc je les mettrai dans les boîtes à livres et voilà. Et puis on est à 78, donc il en manque encore, hein. Faites venir des gens, hein. Dès qu'on arrive à 100, je ferai un concours pour vous remercier et je vous proposerai à ce moment-là un livre que... de votre choix à une somme, voilà, je verrai quelle somme je peux mettre, et je vous dirai à une certaine somme, choisissez le livre que vous voulez, et comme ça je vous enverrai avec la FNAC, je crois qu'il n'y a pas de frais de port, ou enfin je trouverai un site où il n'y a pas trop de frais de port, pour pouvoir vous faire un cadeau, parce que c'est vrai que là je me suis dit ça peut vous faire un cadeau, parce que je vous envoie les livres que je veux plus, mais ça, en fait ça me revient beaucoup trop cher. Donc voilà,
Donc bon, on n'est pas encore à 100 et je pense que voilà, je suis pas sûre qu'on y arrive avant la fin de l'année. Parce que ça monte tout doucement, ça monte, hein, ça monte, mais ça monte très très doucement. Et je ne pense pas voilà, qu'on atteigne les 100 avant la fin de l'année, mais sait-on jamais, voilà, ça peut arriver. Pareil pour Instagram, je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais je me suis dit, dès qu'on arrive au moins à 100 sur YouTube et à 100, à 300 sur Instagram, je ferai un concours. Donc je verrai, voilà, je verrai comment ça évolue. Instagram évolue quand même plus vite, mais je pense qu'il y a quand même moins de... Voilà, les gens s'abonnent, mais je suis pas sûre qu'ils regardent vraiment ce que je poste ou ce que je lis. J'ai l'impression que les gens s'abonnent comme ça, et puis après, voilà, ils regardent pas plus que ça. Enfin, je sais pas exactement comment ça marche Instagram, mais j'ai l'impression que c'est moins... Voilà, c'est moins... On s'abonne, et puis après, on fait pas plus attention que ça à quoi on s'est abonné. Donc voilà, je suis aussi sur TikTok, mais là c'est vrai que TikTok, je pose des vidéos de temps en temps, je mets les livres qui vont sortir dans le mois, mais c'est, je sais pas, c'est pas un truc qui me... YouTube j'aime beaucoup, je parle beaucoup de livres, mais TikTok, c'est pas un truc qui me, voilà, qui me fait très très envie. Et puis niveau du livre, je trouve qu'il y a TikTok, c'est pas encore trop ça pour le livre. Donc j'en fais un petit peu, mais voilà, pas plus. Je sais pas pourquoi j'en viens là. Je sais pas pourquoi je fais une analyse de tout ce que je fais. Va-t-on savoir de... Je sais même pas d'où c'est parti que je suis arrivée à TikTok. Enfin bon. Laissons tomber. À chaque fois, mon cerveau commence d'un point A et il finit à un point Z. On sait pas comment. Voilà. Il passe partout. Donc je sais plus pourquoi je parlais de ça. Je fais une propre analyse d'où on en est. Voilà. Voilà. Donc on est 9 avril et vous savez à quoi je pense? Moi, je pense déjà au mois de la fantaisie, au mois de mai. J'ai très très hâte de voir ce que Pikiti va nous proposer. En plus, elle va nous proposer, j'ai vu elle disait qu'elle avait acheté des tissus par rapport au mois de la fantaisie. Et certains tissus, elle nous les a déjà montrés et ils sont magnifiques. Donc voilà, donc j'ai très 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 envie de... Ce mois de la fantaisie me fait très très envie et à mon avis, j'ai très très envie de craquer sur sa boutique. Donc il va falloir être à l'affût si on veut choper quelque chose parce qu'on va tous être à l'affût, je pense. Donc voilà, donc c'est vrai que j'ai très très hâte qu'on soit au mois de mai, même si ben, je vais prendre un an de plus, voilà, parce que je suis du mois de mai, donc je vais vieillir. Mais bon, il faut vieillir, on n'a pas le choix. Mais de toute façon, c'est quelque chose que je ne fête pas. Je ne fête pas mon anniversaire, donc ça va passer crème, ça va passer inaperçu. Mais le mois de mai, c'est le mois de la fantaisie pour moi, c'est tout. C'est le mois de l'anniversaire de ma petite princesse aussi. Donc voilà, c'est un super mois. C'est le mois aussi de mon papa. Voilà, donc c'est le mois de mai, c'est le mois le plus fourni, le plus... Mon oncle aussi est du mai. Donc voilà, donc c'est un mois très important pour moi, en oubliant, voilà, mon anniversaire. Voilà, ça on oublie. Mais voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur ce mois de la fantaisie et j'ai très hâte. On est que le 9 avril et c'est vrai que j'attends que ça avec impatience. J'ai très hâte de pouvoir faire ma pile pour ce mois de mai, mais je vais peut-être pas quand même... commencer à regarder ce que j'ai en fantasy de suite, hein. Je vais essayer d'attendre, mais j'ai cette impatience là qu'on y arrive vite. Mais de toute façon, ça va aller, j'espère très vite parce que bon, ça va aller entre guillemets très vite parce que les jours filent vite, mais à mon avis, ça va me paraître long parce que j'ai 3 semaines encore avec mes enfants et voilà. Bon, déjà, on n'a plus l'école à la maison donc ça va peut-être être plus cool, mais bon, c'est quand même tendu, hein. Ils sont très très excités. J'ai vu que ce week-end en plus il pleuvait, donc ça va être moyen, hein, parce que 5 dans la maison, 5 petits mois dans la maison, c'est compliqué. Mais bon voilà, je vais arrêter de blablater parce que en plus je vous parle de tout et de rien, même pas de livres, hein. C'est ce que je craignais avec les vlogs, c'est que je divague et que je pars dans des trucs insensés. Donc voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous reprendrai sûrement lundi dans la journée. Ou si j'ai un moment ce week-end, une fois que j'ai fini à Gravel, pour vous dire j'ai réussi à le finir, ouf. Voilà, je vous dis ça comme ça, mais c'est, je veux pas être négative parce que ce livre est très bien et a sûrement un public qui va l'adorer, qui va l'aimer, mais moi c'est pas passé, ça a du mal à passer, ça a du mal à passer, mais en sachant que je vais quand même essayer de le finir, voilà. Donc c'est vraiment pas un livre non plus qui passe pas du tout du tout, parce que moi j'abandonne les livres quand, bon c'est vrai que quand je l'ai acheté j'ai un peu plus de mal à abandonner, mais sinon j'abandonne les livres quand ça me convient pas. Et là, je veux quand même essayer de le finir. Donc, ça prouve que c'est pas non plus la catastrophe en plein. Mais voilà, c'est quand même un livre qui n'est pas fait pour moi.
Donc je vérifie quand c'est que j'ai 5 minutes pour vous dire, je l'ai fini et j'ai attaqué le tome 3 de l'épreuve qui me fait très très envie. Et lui par contre, je vais le dévorer en espérant que mes enfants soient sages comme des images. Non, ils savent pas ce que c'est une image. Bon allez, je vous laisse, à plus tard. Coucou tout le monde, donc on se retrouve, on est le dimanche 11 avril, je vous reprends pour la dernière fois, je vais clôturer le vlog là. Voilà qu'on en finisse avec ce vlog. Donc du coup niveau lecture, j'ai continué à lire L'éveilleur de Jean-Luc Bizier. Je sais plus le nom de l'auteur, enfin bon voilà, j'ai continué, je suis bien dedans. C'est un petit bémol, c'est qu'on n'arrête pas de changer de personnage, chaque chapitre est un personnage différent. Et du coup, voilà, du coup c'est un petit bémol parce que moi j'aime bien rester quand même sur le même, un peu plus longtemps avec les mêmes personnages ou au moins les revoir régulièrement. Il y en a certains qu'on revoit régulièrement, mais il y en a d'autres que ben, on les voit et puis après ben, on les voit plus et on sait pas ce qui se passe pour eux. Et du coup moi voilà, c'est un petit bémol parce que du coup j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe pour ces personnages là. Et ben, pour l'instant je ne sais pas, donc on va continuer, je pense que plus loin dans le livre je saurai, mais pour l'instant c'est vrai que ben, du coup je ne sais pas et ça m'agace un petit peu de rester bloqué avec ces personnages là et de pas savoir ce qu'il en est, s'ils vont s'en sortir, s'ils vont pas s'en sortir, qu'est-ce qui va leur arriver, enfin voilà, donc c'est un petit bémol là-dessus. Voilà, donc du coup je crois qu'on appelle ça les livres chorales où il y a plusieurs personnes, voilà, où on voit plusieurs personnages, je crois que c'est ça. Voilà, j'aime pas spécialement, j'aime bien suivre un personnage ou un groupe de personnes et qu'on suive tout le temps. Ou alors qu'on les suive chapitre par chapitre, mais qu'il y en ait un ou deux et qu'on alterne. Parce que là, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnages. Et en plus, j'ai tendance à un peu m'embrouiller. Et bon, ça vient sûrement aussi du fait que ça fait deux nuits là que je passe, qui sont compliquées. Voilà, ma fille est un peu malade, elle tousse, elle est enrhumée. Et du coup, ben, à cet âge-là, qui dit rhume dit, ben, j'arrive pas bien à dormir, donc je chougne. Et donc, ben, toute la nuit, je suis debout à essayer de la prendre dans mes bras. Voilà, un qui a bien fait, c'est quand je l'ai assise sur moi, elle s'est endormie sur moi assise, et du coup, ben, c'était plus facile pour elle de respirer. Mais bon, au bout d'un moment, elle s'est réveillée, elle était pas bien, donc elle a voulu se coucher, mais dès qu'elle est couchée, hop, ça rebouge tout. Donc bon, j'ai passé une nuit un peu compliquée, et ça fait deux nuits comme ça. Donc du coup, voilà, du coup, la fatigue est là de plus en plus. En plus, dans la nuit, voilà, vu qu'elle voulait que je reste à côté d'elle et tout ça, moi j'avais pas à m'endormir à côté assise et tout, donc du coup j'ai pris mon portable et j'ai lu un peu L'éveilleur. Mais voilà, je pense que du coup le changement de personnage tout ça n'aidait pas à ce que, j'arrive à suivre correctement. Ensuite, sinon hier j'ai quand même avancé, je sais plus si je vous ai montré que je l'avais attaqué ou pas. Enfin bon, j'ai bien avancé le Remède Mental, donc L'épreuve, le tome 3 de James Jaster aux éditions Pocket Jeunesse. Donc là j'en suis à la page 119, aujourd'hui je ne l'ai pas repris du tout, voilà, il est 2h, ce matin j'ai pas eu plus de temps. Là je me suis arrêtée 5 minutes pour essayer de lui faire la sienne, donc je me suis couchée avec elle, et donc on s'est posé à 5-10 minutes, j'ai pris mon portable pour lire L'éveilleur, donc du coup lui je ne l'ai pas repris. Mais c'est vrai que dès que je le prends celui-là, les pages se tournent et ça va assez vite à lire, et il se lit vraiment très très vite. Voilà, si vous voulez une saga de livres qui se lit vite, honnêtement L'épreuve se lit vraiment très très vite. Donc voilà, donc si vous voulez une saga young adulte qui se lise très vite et qui se dise voilà, ça se dévore en gros, vraiment c'est des livres qui se dévorent, c'est pour ça que ça tombe très bien que j'ai pris ce livre là, parce que ben voilà, ça se lit tout seul, il n'y a pas besoin de, je dis pas qu'il n'y a pas besoin de réfléchir, mais je veux dire ça se lit vraiment tout seul et ça coule de source et enfin voilà, donc du coup c'est un très bon livre quand on est fatigué et qu'on passe les nuits blanches comme ça. C'est vrai que ça me rappelle un peu des souvenirs quand ils étaient bébés, voilà, je dormais pas de la nuit du tout, et du coup là c'est un peu ça. Pour l'instant je suis pas encore au point 2 comme quand ils étaient bébés, parce que c'est que la deuxième nuit qui est difficile, mais si ça continue comme ça, ça va être, je vais ressembler à un zombie. C'est pour ça que je préfère clôturer le vlog maintenant, parce que dans les jours à venir je sais pas dans quel état je vais être, donc du coup je me suis dit je vais clôturer maintenant. Je prends 5 minutes et je le clôture parce que si je continue à faire des nuits blanches, après je suis, voilà, je trouve pas mes mots, j'arrive pas à parler, ou alors je vais bégayer, ou enfin bon, c'est complètement confus. Même si j'avais l'habitude, voilà, pendant 14 ans, presque, on peut dire que
voilà, du moment où j'ai eu mon premier, voilà, j'ai presque fait que ça, des nuits blanches, des nuits blanches, des nuits blanches. J'ai été presque enchaînée pendant des années et des années. Mais là, vu que ça fait 2-3 ans, enfin non, peut-être pas autant parce qu'elle a que 4 ans, donc on va dire 2 ans, que je fais mes nuits presque toutes complètes, on va dire, hein, entre guillemets, parce que c'est pas non plus au point. Et bah du coup, là, le fait de me remettre à faire des nuits blanches, c'est beaucoup plus dur. Alors je sais pas si ça vient de l'âge ou si ça vient du fait que ben, je ne suis pas plus dans le rythme de faire des nuits blanches. Donc je sais pas si c'est du fait que je ne suis plus dans le rythme de faire des nuits blanches, d'enchaîner les nuits blanches aux nuits blanches, ou si c'est le fait que ben, je commence à prendre de l'âge et du coup les nuits blanches c'est trop mon truc. Donc je sais pas, voilà, je sais pas d'où ça vient, mais c'est vrai que là c'est un peu dur de faire des nuits blanches, j'ai un peu plus de mal. Donc voilà, donc les nuits blanches j'ai un peu plus de mal, mais sachant qu'avant voilà j'en faisais beaucoup, surtout avec mon premier, c'était nuit blanche sur nuit blanche. Hein, quand il est né, lui il est né en maternité, donc du coup on m'a pas vraiment bien expliqué au niveau de l'allaitement et tout ça. Donc j'ai fait au feeling, on m'a dit il faut l'allaiter quand il a faim. Le problème c'est qu'il avait faim toutes les demi-heures. Donc du coup voilà, même la nuit, hein, la nuit il tétait 5 minutes, il s'endormait. Donc on m'avait pas dit voilà il faut le stimuler, il faut le changer de sein, enfin ça non. Les deux premiers que j'ai eu j'ai fait à la maternité et il n'y avait vraiment aucune explication, donc je faisais vraiment comme moi je le sentais. On m'a dit faut qu'il mange quand il a faim, ben je leur donnais quand il voulait, donc du coup c'était très très régulier. Et du coup mes deux premiers ça a été très très compliqué, j'avais des nuits affreuses. Donc c'était compliqué. Heureusement arrivé au troisième, j'ai accouché à domicile et j'ai eu droit à une super sage-femme qui m'a vraiment tout expliqué, vraiment très très bien. Ça m'empêche pas que j'ai fait quelques nuits difficiles, hein. Je dis pas qu'il passait ses nuits, hein. Il dormait pas ses nuits, non, il faisait pas leur nuit. Mais voilà, et elle m'a très bien expliqué, elle m'a dit voilà, faut les stimuler, faut pas les laisser s'endormir sur le sein. Enfin voilà, elle m'a vraiment tout expliqué, ce qui fait que je n'allaitais pas toutes les demi-heures, voilà. J'arrivais à avoir une heure et demie, deux heures à avoir une pause. Même si j'arrivais pas à me rendre bien entre deux, voilà, j'avais une pause et je pouvais me poser. Donc j'étais un peu moins fatiguée pour les trois derniers, mais c'est vrai que les deux premiers c'était difficile. Et du coup là, ça me fait un peu rappeler des nuits blanches comme ça, et je me dis avant je tenais quand même beaucoup mieux, là, je tenais beaucoup mieux. Là, c'est vrai que je tiens, hein, y a pas de problème, hein, j'arrive quand même à tenir, mais je sens que c'est quand même assez dur, que je pourrais pas tenir des mois et des mois comme ça. Alors qu'avant je le faisais, voilà, ça a duré, mon premier ça a duré jusqu'à ces 3 mois, hein. Jusqu'à ces 3 mois il se réveillait, enfin je dormais quasiment pas, heureusement c'était le premier, donc la journée je me calais avec lui dans les bras et j'arrivais à dormir, voilà, je faisais des tranches de 15-20 minutes dans la journée, dans la nuit, enfin à chaque fois que lui dormait, moi je dormais, donc vraiment c'était le premier. Le deuxième ça a été pareil, folklorique jusqu'à 3 mois, mais il dormait un peu mieux, et puis après voilà. Au plus j'en ai eu, au plus il dormait, donc ça c'était génial. Mais du coup voilà, je me rends compte que là les nuits blanches ne me réussissent pas, et en même temps je me dis que quand j'avais mes petits, je ne lisais pas non plus, donc quelque part voilà, quelque part j'avais quand même une fatigue qui faisait que j'arrivais pas à lire non plus, donc voilà. Mais j'ai pas envie d'en revenir là, de toute façon c'est vraiment parce qu'elle est malade, donc d'ici une semaine ou deux ça devrait aller mieux, et du coup je devrais arriver à tenir, hein, une semaine ou deux, mais je risque de baisser de rythme de lecture si ça dure autant de temps. Voilà, donc je sais pas, je suis on part d'un point A pour arriver à un point Z comme d'habitude, j'ai complètement dérivé. Donc voilà, donc c'est pour dire que je clôture le vlog là parce que je ne sais pas ni quel va être mon rythme de lecture, ni quelle va être ma tronche, voilà. De toute façon j'ai toujours une tête, encore à la caméra, ça soit moi, mais j'ai toujours une tête fatiguée, voilà. Que je suis fatiguée ou pas, de toute façon ma tête elle paraît fatiguée. Donc déjà, elle devrait pas trop changer, mais ça pourrait être pire que ça. Voilà, mais c'est surtout au niveau rythme de lecture qui risque de diminuer. Parce que si là encore cette nuit je dors pas et si ça s'enchaîne, je vais avoir beau boire du thé, je vais quand même avoir du mal à avoir un rythme de lecture assez soutenu. Donc là je clôture le vlog, je verrai la semaine prochaine comment ça se passe. Ou j'entame un vlog lundi, je vois si j'arrive à lire un petit peu. Et si jamais je vois que dans la semaine j'ai rien lu, ben le vlog je le ferai pas et puis c'est tout. J'essaye d'en entamer un autre, et si ben je me rends compte que j'ai rien lu, ben voilà, je fermerai le vlog et je le posterai pas. Et j'en entamerai un autre dès que ça ira mieux. Parce que là voilà, je suis dans le flou, je sais pas quel va être vraiment du tout le rythme de lecture par rapport au manque de sommeil. C'est vraiment ça.
Donc voilà, je vous tiens pas plus. Vous savez que je suis dans l'épreuve, le tome 3. Il m'en reste, je sais même pas combien il y a de pages, je crois qu'il y en a 400, à peu près 400. Ouais, 380. Donc il m'en reste 360 pages. Voilà. L'éveilleur, vu que c'est en e-book, je sais pas du tout, j'ai dû lire 15%. Donc ça sera l'objectif de la semaine prochaine, finir ça. Finir l'éveilleur. Et je suis en train de réfléchir que le 13 j'ai la LC de Keleana qui va attaquer. Donc du coup voilà, je voulais finir ça avant le 13, mais ça va être compliqué, on est déjà le 11. Je vais pas y arriver, je pense pas, hein, à moins que je fasse non, parce que de toute façon si c'est du blanche, je suis pas sur le portable parce que je peux pas mettre la lumière. Donc du coup voilà, donc je pense pas que j'aurai fini le 13, donc ça sera en alternance avec Eleana, mais c'est pas grave, hein, tant pis, hein, on peut pas réussir à tous les coups. Donc voilà, donc le goal de la semaine prochaine, ça sera de commencer la LC Eleana, de finir l'épreuve et bien avancer les veilleurs, voilà, parce que suivant la fatigue, les veilleurs, je pense que ça va être un chapitre et pas plus. Mais voilà, donc je vous prends, j'essaye de vous filmer la semaine prochaine. Si je vois que j'ai rien lu, que j'avance pas, ben ça sera la semaine d'après. Et puis voilà, je repousserai au pire, voilà, je repousse jusqu'à ce que j'arrive à avoir un rythme des lectures assez correct. J'espère que ça va quand même rester parce que ça me fait du bien de lire. Donc si j'ai plus la lecture et que j'ai plus que la fatigue, ça va être assez dur. Donc voilà, donc sur ce je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me dire si vous avez lu la saga L'Épreuve, ce que vous en avez pensé, parce que moi pour l'instant j'adore, je suis vraiment dedans et tout à fond, c'est vraiment une très bonne saga, je regrette de ne pas l'avoir lu plus tôt parce que je pense que j'aurais encore plus apprécié. Faudrait essayer de trouver le film, je sais que le film a été fait, je sais pas s'il est bon ou pas bon, enfin bon, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu Agravel aussi et L'Envers du Décor, parce que voilà, moi c'est... La fin était quand même, voilà, j'ai, comme je vous ai dit, j'aimais pas beaucoup le milieu, mais la fin il y avait un petit passage avec des horloges. Si vous l'avez lu, vous allez peut-être voir de quel passage je parle. Le passage avec des horloges, et ce passage là est vraiment génial, c'est vraiment un passage que j'ai adoré, et du coup voilà. Du coup, il y a quand même des passages qui sont bons, donc je pense qu'il y en a qui vont vraiment aimer ce livre. Mais c'est vrai que moi, j'aurais aimé en fait l'histoire comme ça, mais en contemporain. En fantasy, c'est moins fantastique, c'est moins... Voilà, je sais pas. Il y a des passages que je n'ai pas réussi à comprendre, à vous visionner correctement, donc du coup c'est moins bien passé. Mais c'est vrai qu'il y avait certains passages, comme le tout début d'Agravel était vraiment génial, j'ai vraiment accroché, j'ai vraiment adoré le passage avec l'horloge, et puis la fin plutôt pas mal aussi. Mais du coup voilà, et encore la fin je suis un peu mitigée, mais voilà, il y avait quand même quelques petites choses plutôt intéressantes dans Agravel, donc c'est pas un mauvais livre, hein, pour moi c'est un livre moyen, pour moi, je dis bien pour moi, hein, vous je suis sûre qu'il y a des... suivant vos goûts et ce que vous aimez lire, vous allez adorer. Voilà, donc voilà pour Agravel, que je n'en ai pas plus parlé que ça. Je suis partie dans n'importe quoi et du coup je n'ai pas dit plus que ça. Donc sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas du coup à voilà, vous me laisser un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, à partager la vidéo, même si les vlogs, c'est pas ce que je réussis le mieux, je trouve. Et un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et puis voilà, à bientôt.